l'industrie du courtage doit se réveiller. Il faut arrêter de faire croire à tous les futurs courtiers que c'est facile d'être courtier immobilier. Le salaire moyen québécois d'un courtier immobilier est d'environ 44 000 $. C'est sûr que la plupart des gens voient les gros courtiers connus, les gros courtiers marketing qu'on voit dans les journaux, dans les publicités, mais ça, c'est une exception. Il y a autant de facilité à faire de l'argent dans tous les autres domaines que dans le courtage. C'est une illusion, la facilité dans le courtage. Et cette illusion-là est peut-être des fois poussée par certains collèges, évidemment, qui font d'argent, leur profit, leur revenu, plus il y a de gens qui s'inscrivent dans leur collège. Et de la même façon, il y a certaines agences qui bénéficient d'avoir énormément de courtiers sur leur bannière car ils ont des frais fixes mensuels élevés qui vont tirer des revenus d'un courtier même si lui ne fait pas d'argent. Si par exemple, un courtier se fait charger 2000 $ par mois, on s'entend, c'est 24 000 $ de frais de loyer par année, c'est énorme. Un courtier qui ferait 50 000, il reste seulement 26 000 $ à la fin de l'année. Pour moi, c'est pas normal d'avoir un modèle d'affaires. Ça, c'est personnel et c'est le principe de chez Engle & Walkers. Nous, on va couvrir une portion de nos frais quand nos courtiers vont performer. Moi, j'ai beaucoup de misère à faire de l'argent quand mes courtiers n'en font pas. Et ça, c'est une grosse nuance, je crois, qui est importante. Aussi, de plus en plus, la majorité des bannières engagent systématiquement tout le monde. À un moment donné, ce n'est pas tous les courtiers qui ont le même type de personnalité qui vont être aussi performants. Et le client qui fait affaire avec une bannière qui engage systématiquement tout le monde doit vraiment faire attention de vraiment passer en entrevue individuellement les courtiers et non pas se fier à la bannière. Parce que, évidemment, si une bannière engage tout le monde, il va y avoir des plus forts, des plus faibles. Tandis que chez Engle & Walkers, nous, on sélectionne tous les courtiers qui se joignent à nous. Donc, il y a déjà un premier filtrage qui est fait par nous, donc une certaine assurance pour le client. Évidemment, on invite les clients à voir qui sera un fit de personnalité, qui est spécialisé dans tel ou tel secteur. Mais déjà, à la base, notre équipe est beaucoup plus cohérente au niveau de la performance, au niveau de la qualité, au niveau de la personnalité de nos courtiers.